L'été est terminé. Mais à Cordes-sur-Ciel, un air de Dolce Vita continue de souffler. Dans les rues du village le plus visité du Tarn, les touristes de septembre ont pris le relais, une clientèle moins nombreuse et plus âgée. C'est plus facile d'accès déjà, et puis il y a moins de monde, donc notamment en camping-car, c'est beaucoup plus facile de trouver de l'emplacement. Les gens sont moins stressés, c'est un peu plus cool quoi, au niveau de l'accueil. À Cordes-sur-Ciel, la saison touristique ne se limite pas aux 2 mois d'été. Dans cette boutique ouverte à l'année, juillet et août ne représentent que 30% du chiffre d'affaires. On ne vient pas à Cordes comme on va sur la côte pour aller prendre le soleil et un bain. Et du coup, je pense que la saison s'étale davantage déjà pour ça. Et aussi avec le développement des vols low cost, on a de plus en plus fréquemment des gens qui viennent juste passer un week-end et puis repartent. Mais en matière de tourisme, le véritable baromètre reste la météo. À Albi, les terrasses sont encore bien remplies. Le beau temps fait les beaux jours de ce restaurant. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup d'étrangers. Voilà, il n'y a pas que des Français. Généralement, au mois de septembre, on a beaucoup de Français, des retraités. Là, on a beaucoup de touristes. Et en plus, on a un temps superbe. Une bonne nouvelle après un début d'été qui a tardé à se lancer. On a 30% des Français qui ont préparé leurs vacances post-victoire des Bleus. Résultat du bac tardif, les grèves aussi, voilà, qui ont un peu traîné en début du mois. Donc, on n'a pas fait un super mois de juillet, très honnêtement. Un bilan mitigé, reste à espérer l'été indien jusqu'à la Toussaint pour que la saison touristique finisse en beauté.